Rebonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir et bonne année pour ce stream de la reprise. Parce que bah pendant les vacances. Salut Benou! Bah j'ai pas trop streamé parce que bah en grande partie j'étais pas chez moi, j'avais un peu la flemme, je me suis dit que les gens étaient en vadrouille aussi, donc pas forcément dispo, mais ça y est, c'est la reprise. Et justement, c'est également un peu la reprise donc, de tout ce qui est grève en ce moment. Et donc je me suis dit, tiens, sur Twitch Prime, il y a Anarchute qui est offert ce mois-ci. C'est le genre de jeu auquel je joue, un peu particulier, on va pas se le cacher. Donc Anarchute, c'est un jeu étudiant, indé, donc qui a été édité par Anarteam et développé par Anarteam. Qui a profité du programme ID à Xbox. Donc en gros, Microsoft donne quelques sous pour permettre de développer le projet. Ce sont des petits animaux mignons qui manifestent. J'en sais pas grand-chose de plus. J'ai vu que le jeu était classé en beat'em all. Donc je pense qu'il manifeste, mais pas tout à fait de façon pacifique. De toute façon, manifester de façon pacifique, souvent, bah, ça mène à rien parce qu'on n'en parle pas. Et donc je vais tester ça. Donc Anarchute, ça se lance et c'est parti. Et ben je vais jouer à la manette. Petite musique kawaii, des petits animaux kawaii. Y a rien de mieux que la manette, ça dépend pourquoi, Benou. Et petite chose en plus, j'ai lancé le programme pour recevoir des récompenses. Donc en matant mon stream, vous pouvez gagner des petites turcoins qui vous permettent d'acheter des émoticônes si vous n'êtes pas sub et de trucs du genre. Mettre votre message en avant, tout ça. Allez, testons. Tokyo. Left stick to move. Ça va. Ça m'a porté. Stick droit pour la caméra. Pour le moment, on n'est pas trop perdu. Effectivement, je peux péter des trucs. Trouvez vos amis. Ils sont en train de bouffer des ramen, non? Chaque fois, je sais jamais où est le bouton. Donc là, on voit la carte. Là, j'ai l'air d'avoir un ami éléphant. Allez, je chope les poteaux. Pas content, pas content. Putain, la caméra, on est un policier. On va recruter des poteaux. D'accord, plus on recrute des gens, j'ai l'impression, plus la musique. Mon dieu, il y a Casta Kawaii qui nous attend au bout. Salut Matos! Tu arrives juste alors qu'on va subir de la violence policière. Tsubomi. Ouais.
c'est l'heure de la révolte. Putain, je vais tellement avoir des problèmes avec Castaner. Ah putain, ils peuvent porter des trucs genre, et tu les jettes sur les flics. Ah non, c'est là. Là, on peut choper des objets. Et on peut les jeter avec la gâchette de droite. Putain, c'est une simulation de Black Bloc. Les musiques sont super cool. Pouette, 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 pouette. Ok, j'ai gagné une pièce, on va voir à quoi ça sert. Allons nous rebeller. Putain, c'est BFM TV. On débloque des pouvoirs. De trop se prendre des mines. On peut tirer sur... Je sais pas à quoi ça sert les stands de ramen. On peut faire des roulades. C'est comme Dark Souls.
dirait qu'il y en a plein qui sont cachés là-bas derrière. Putain, il y a des petits renards enfermés là. Oui, on a débloqué le fox. Ah non, c'est LTE les voitures, ok. Je lisais mal. Bon, j'ai pris mon temps, mais j'ai débloqué le renard. Tayana, il a l'air super balèze. Oui, il a l'air balèze, lui. En plus, j'ai rien à lancer. Ah, ça va. C'est ok, c'est ok. On va prendre deux trucs à lancer, c'est toujours pratique. Ma Frenzy Bar. Super. Pas super. Ouais non, super. Pouette, pouette, pouette. Ah, j'ai défoncé le truc mais c'est pas ouvert. Ah si. Non, mon petit renard. Attends, non, si je pousse comme ça, je vais pas pouvoir aller chercher le mec qui est au fond. Putain, mais j'ai fait une roulade dans le truc explosif, quoi. Non, moi je veux sauver tout le monde.
pour récupérer le squid. Ils vont finir par dire que je suis un destructeur de flics, moi, dans ce jeu. Le squid nous rejoint. Et la méduse. Oula, on dirait qu'il y a plein de gens à sauver ici. Par là-bas. Mon Dieu. On a un collègue qui est tombé. Je pense qu'il faut que je leur balance en fait beaucoup plus de trucs à la gueule. Donc ça y est, maintenant je peux péter les bâtiments. Ah d'accord, il faut bourriner les gars quand même. C'est la grosse révolte quand même. T'as le sniper là-haut là. Mais voilà, ça c'est une vraie révolte ça. On rase la ville. Un raccoon! Alors, est-ce que si j'arrive à raser ces deux bâtiments? Est-ce que si je fais tomber ça sur le truc qui balance? Elle casse. En tout cas, ça a l'air de vachement bien marcher. Ah, magique carte. Des sous pour utiliser le chat. Bah il faut me regarder, Emily. Au bout d'un moment, tu débloques des sous en bas.
pouet, 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 pouet. Non, je voulais pas le faire tomber par là. Bon, ça a quand même cassé le truc. Exactement, ce chat-là. Ouais, les raccoons, ils se révoltent avec nous. C'est la convergence des luttes. J'espère que j'en ai pas raté un à la fin en bourrinant trop vite. Tokyo Tower. Je suppose que Tokyo Tower... C'est la tour de Tokyo. Putain, mais il y a des briques partout ici. Allez, faut faire le tour par là-haut. Hop, ça y est, mon cul. Et je me gourde de boutons encore. Il frappe fort les CRS japonais hein. Effectivement. En même temps là, il n'y a pas de boîte à musique dans ce jeu, donc... Enfin, il n'y a pas de boîte à musique. J'en ai toujours pas vu. Et comme ça je vais pouvoir péter le bâtiment et sauver les petits animaux là. Un pauvre raccoon tombé au combat. Oh le petit chat! J'ai pas vu le truc. Je marche en plein dans le laser. Endless projectile, c'est-à-dire que je peux...
putain. Oh putain, il m'a tellement défoncé lui. C'est de la grosse révolution quand même, hein. Tokotawa. Le petit chat. Ah, je peux enfin dépenser du pognon. Ça peut être bien ça. Ah oui, d'accord, après on a des armes. Attends, on a de la custo. Ah, ça pousse au scoring quoi. Allez, allons finir de sauver Tokyo. Ah bah, Shinkansen, obligé quoi. On va aller prendre le train. Pouet, pouet, pouet. Il n'y a pas de grève de train au Japon. Mais si, mais quand il y en a, les trains ils sont gratuits. Ouais, donc là on peut pas passer pour le moment. On va faire le tour. Attends, parce que là je peux pas passer. De l'autre côté je peux pas passer. C'est un peu l'arnaque là. Enfin, si pour passer, il faudrait que je lève le truc. Ah putain, je fonce dans le laser quoi. Et si j'essaye une roulade? Ah non, mais je ne serais jamais passé du scarabée.
Le but c'est d'avoir tous les animaux quoi. Mais c'est du love, c'est des méchants. Ah oui, donc je peux plus défoncer les bâtiments, super. Est-ce qu'il y a vraiment un petit trou là-bas pour passer? Oui. Ah oui, donc ouais, j'ai plus à la destruction de bâtiments, donc je peux pas les récupérer eux. C'est vraiment la tristesse. J'avais pas vu ce flic qui me tabassait depuis tout à l'heure, super. Ah mais regarde, ils font pas que se défendre, regarde, je manifeste pacifiquement là. Là là là, je manifeste. Tu vois, ils me foncent dessus. Ah c'est possible, ouais, que ça fait un peu Wonderful 101. Et j'ai le Peter et le Octopus. Allez, allons répandre la paix et l'amour. Ou ça soit un combat de boss ça. Pas vu qu'est-ce que j'ai récupéré comme animal. Ah, on peut peut-être choper les bombes comme ça. Ok, il faut choper les bombes. Et après on lui défonce le cul. Ok, donc il faut avoir plein de trucs à lancer. On va faire le plein, hop, du mobilier urbain. Shit, elle est là-bas derrière. Ça n'a pas duré très longtemps. Thank you.
Oui, la petite danse des petits animaux mignons. Smashing. Oh putain, c'était le Shiba que j'avais chopé. Ça devient la Doge Revolution. Mais regardez l'effet des méchants casseurs gilets mignons. Et on part à Paris, bien sûr. On reconnaît bien Paris. Oh mon dieu, le 6 slug! Le Paris Marinier! Chebelebele, la France, la France! Il y a tellement personne qui doit avoir cette référence. Ah si, attends, je voulais voir. Est-ce que je peux acheter des nouveaux trucs? Je pense que je vais attendre d'avoir ça. La place Holder, la fameuse place Holder Passo. Ok, il faut détruire les antennes. Le mal tué bon. D'accord, ça c'est un gros boulet de démolition. La pub baguette pour vendre une bague, ça me paraît logique. Deux chevaux de police. Et baguette. Le bar à fromage. Buvez dans le jus. Gross Fall. Le pain de délicieux. Putain, je l'avais pas vu lui. Je sais pas, je suis allé à Paris plusieurs fois, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Tiens, à sauver là-bas, j'ai oublié, j'ai l'impression. Bah oui, des frogs. Ça me semble logique. Elles sont où les crottes de chien et les mégots? Ah, c'est trop petit, c'est pas très bien représenté. Chez Andjoué.
le fromage qui pue fragrance. Oui, ça ressemble beaucoup à Paris sur Overwatch. Ah bah il faut pas que je débranche tout de suite parce que je suis sûr que là-bas il y en a des à sauver. Peut-être qu'il débloque un animal. Bah même pas. Cinq croissants la soupe. La révolution devient mondiale. La grosse colonne. Il veut dire la bite. Du. Ouais putain, ça a l'air tellement la merde à traverser ici. On va en profiter quand on n'est pas encore trop nombreux. Et regardez ce collecteur de verre, on dirait vraiment un collecteur de verre parisien. Loulou. Les musiques sont vraiment super sympas, je trouve. Je pense que demain il devrait passer ce genre de musique dans la manif. Putain, ils m'ont snipé un manifestant. Le petit chat, il a été snipé. Faire gaffe, ils sont nombreux au centre. Ah putain, j'ai pas attendu qu'il passe. J'aurais pu en défoncer plein. Ah, c'est jeudi la grosse manif. C'est eux. Mais ils m'ont suivi quoi. Putain, j'ai perdu la race de manifestants quoi. Ah putain, j'ai même plus de mobilier urbain à balancer. Oh putain, tous ces manifestants à terre. Là, je vais me faire défoncer par le snipe. Ah, et je l'ai mis trop rapidement ce palier pour débloquer le char. Hein. Ah, il me fait un peu peur là, le lance-grenade. J'ai l'impression que je fais que casser du flic dans ce jeu.
Des capas spéciales, ouais, mais non, parce que tu vois, le manifestant, c'est un groupe. Ah là, il y a du boss. On peut casser la grosse colonne. Est-ce que je peux choper un quart de CRS? Voilà, pour le jeter sur les CRS. J'ai perdu des manifestants à la fin. Non mais genre en vrai, des capas spéciales aussi. Syndicaliste, papa avec sa gosse dans la poussette, Black Bloc. Effectivement, effectivement. Mais j'ai le loup. Et le pigeon. Le quartier pas possible. Jamais là le premier là. Purée. Oh c'est chaud. Ah putain! Alors. D'accord, avec gauche. Je vise. Et avec A. Bah, c'est pas A qui visait. En avoir en face en fait. T'as pris quoi, t'as tué? What the f- Putain, c'est quoi ces super flics là? Je sais pas, peut-être parce que t'es sub à la chaîne, c'est peut-être pour ça que t'as un multiplicateur de 2. Thank you.
Attends, j'en ai pas un de trucs pour tirer? Putain, non, j'en ai plus. Ah putain, et si je récupère celui-là? Faut juste que je récupère le truc pour tirer et s'en libérer. Non, putain, il me manque un animal. Putain, j'hésitais à refaire le niveau juste pour débloquer, mais non, on va avancer, tant pis. A fashion faux pas. La petite Returnelle. C'est marrant parce que c'est pas le... Ah ok, je suis tout seul. On va essayer de faire ça en mode ninja alors. On va faire une petite opération sabotage. Eh ben ça va être plus tendu du slipo. T'as pas ces petites idées de variation de gameplay comme ça. Non, c'est rien. Il s'est rien passé. L'immeuble est tombé tout seul, ça arrive à Paris. Je vais pas les voir, s'il faut, il y avait un truc à libérer au bout. On va faire le fashion faux pas. En fait, ils ont appelé un niveau la no-go zone quoi.
avec plusieurs manifestants. On se sent mieux avec plusieurs manifestants qui ont des deux chevaux. Oh putain. Votre colère est trop dimensionnée, réfléchissez-y. On dirait le discours de Macron. La menthe religieuse. Oh, y'a tout qui pète par là. Animal. Ah bah oui, le poulet en France normal. On peut en envoyer sur l'écran. Donc est-ce que c'est encore un truc d'infiltration du. Oh putain, oh, j'étais sûr qu'il allait me voir quoi.
T'as une chance qu'ils soient aveugles, ces flics, hein. Attends, là, il y en a à sauver, mais comment on y va? Le truc du stress. Bah pareil, ça me dit pas comment je libère le dernier petit animal. La Tourist Ville. Putain, y a du monde. On va choper des véhicules, hein. Oh le bug, mais ils nous ont mis que les animaux dégueulasses, quoi. J'ai que trois petits manifestants de merde.
Effectivement, j'ai plus qu'un truc à faire péter. J'espère que j'ai rien qui va me tomber dessus. Ouais non, les pièces elles sont super vite ça. Surtout quand tu regardes, t'as des moments où tu peux cliquer et ça te fait monter ultra vite. Duc de Catch-Patte. Ah bah oui, l'escargot, forcément. Ça, ça sent le combat contre le boss, quand même. Mon dieu, mais c'est le présentateur de BFM. Putain, mais il défonce. Qu'est-ce qu'il y a qui me tape là? Ah putain, sa queue continue à te taper après. Ouais, donc c'est ça, il faut frapper son œil pour qu'il... Ah bah il m'en reste plus qu'un, je sens que c'est la mort. Je trouve que le jeu il a step up dans la difficulté là d'un coup. On peut interrompre ces trucs. Thank you.
Putain, mais il est relou! Concentration extrême quoi. Ah bah putain. Ah ça... Ça se complique, hein. Ah bah oui, il est plus là. Il va aller prendre la... Ah bah non, il va dans les îles. Ou dans l'espace. Paris is free! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, la tête de moule! Bermuda. Brain Cola, évidemment, hein, Miami. Thank you.
sauver les autres là-bas, mais c'est un peu le bordel pour y aller. Elle est tellement chill la musique. Ah oui, j'ai plein de pognon. Ah oui, parce que là en fait on choisit l'un ou l'autre. Ça c'est ouf aussi. Mais ça c'est génialissime. Ah bah il y avait un settings en fait. Mais de toute façon 10h30 je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Mettre la petite musique en fond gentiment. Donc c'était le petit stream de la reprise. Donc bah, je me suis dit c'est dispo sur Twitch Prime. Ça fait un peu stream d'actualité vu qu'on est en plein mouvement social par rapport aux retraites. On voit qu'on peut être mignon mais quand même tabasser du flic, prendre du mobilier urbain et raser les bâtiments. Donc ça annonce peut-être quelque chose pour la suite. À voir. Donc demain ou après-demain, vous allez retrouver Benou vous dit tout sur sa chaîne. Peut-être pour un jeu triple A. Je ne sais pas trop encore ce qu'il va faire. Puis jeudi, on pourra retrouver également Eren Dream sur sa chaîne. Pour je sais pas quoi. Lundi prochain, je pense savoir dans quoi je me lance. À déterminer encore, histoire que j'en sois sûr, mais ça risque d'être un jeu de saison où il fait froid. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et à la prochaine, bonne nuit à tous!